jour, tu seras de nouveau belle. Les gens te traiteront avec le respect que tu mérites. Tu verras. Salut Sylvain. Bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour. Salut Maurice. Ah Moira, comment ça va? Très bien. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Oh, mes préférés. C'est en quel honneur, dis-moi. Les fleurs n'ont pas besoin de ça, faut-il une occasion pour faire plaisir. Bonne journée. Merci. Embrasse Catherine pour moi. Promis. Bonjour, Régis. Bonjour, Moira. Deux baguettes, comme d'habitude? Ouais. Parfait, merci. Salut. Salut. Je sais que je devrais pas te dire ça, mais je crois que t'es mon préféré. Brigitte? Ouais, exact, j'ai terminé. Oui, est-ce que 15h ça t'irait? Super. Ok, à tout à l'heure. Bye. Bonjour. Bonjour. Voilà, je cherche mon hôtel. Je crois que c'est un château. Mais je le trouve pas. Oh, vous devez chercher le castel. Voilà. C'est un château. Alors, vous allez tout droit. À gauche. À gauche, ok. Et ensuite, à droite. Et vous y êtes. À gauche, c'est facile. Parfait, merci. C'est combien pour ça? La baguette? Oui, la baguette. Un grand classique. Une? Deux. Oh. Je vous remercie. 1,80. Oh. Vous êtes aveugle ou quoi? Moi? Qui de nous deux rêvasse en plein milieu de la route? Qui de nous deux roulait beaucoup trop vite? Dans ce village, les cyclistes en priorité. Vous auriez pu me tuer. Encore une fois, qui de nous deux est au sol et pas l'autre? Oui. Est-ce que ça va? Rien de cassé? Vous avez mal quelque part? Non, ça va. C'est mon déjeuner qui a souffert dans l'histoire. Vous avez raison, j'aurais dû lever un peu plus les yeux de mon plan. Écoutez, vous... Oui, la prochaine fois, vous faites un peu plus attention. Bonjour, Moira. Salut, Jacques.
De la lavande? Ah ouais, j'adore. Elle est magnifique, non? Super parfumée. Ça ira, je suis allergique, mais oui, c'est très joli. Offerte par un ami ou... Oh, offerte par un bel Anglais installé dans la région, dont le regard brille comme le soleil. C'est de Maurice, un gentil cadeau de Maurice. Ouais, je vois. Ah, j'ai ça, du courrier. Est-ce que tu pourrais l'apporter à la réception, s'il te plaît? Qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Surtout pour l'hôtel, non? Et pour toi aussi. Mais surtout pour l'hôtel. Rien que pour l'hôtel. Ah, merci. Timing parfait. J'ai justement besoin d'un coup de main. Tu peux les apporter à la boutique du centre? Oui. Merci, Jacques. Ok. Catherine, il est comme mon petit frère. Je sais. Mais il est tellement gentil. Un jour, peut-être que tu cesseras de le considérer comme ton frère. Il y a pire dans la vie que d'avoir un homme qui te regarde avec ses yeux-là. Je suis allée me promener près du phare ce matin. J'ai encore trouvé des détritus sur le sol. Et le jour où le domaine sera à toi, tu pourras installer une grande barrière tout autour, histoire de refouler les pollueurs. Ça va, je plaisante. Je sais que tu laisseras ce magnifique domaine accessible à tous. Moira, je sais que tu es trop fière pour accepter mon aide. C'est important pour moi de réussir à économiser moi-même cet argent, mais c'est gentil. Et je suis plus très loin. Il me reste qu'à vendre environ 200 ou 300 tables basses et voilà. Oh, monsieur! Ça va, vous avez eu un accident? Oui, et un très grave, pour être honnête. Avec mademoiselle. Entrez-vous changer? Je suis soulagée que personne ne soit réellement blessé. Cette façon que tu as de rouler sur ce vélo de malheur, c'est déjà un miracle que ce soit le premier accident. Quoi? C'était pas du tout ma faute. Cet oh, homme ne regarde un peu qui voilà. Ça change sans toute cette boue. Propre comme un sou neuf. Frais comme un gardon. J'arrête. Je vous remercie pour la douche. Et est-ce que par hasard, vous auriez une machine à laver pour... Oh oui, juste là-bas. Tu sais comment il s'appelle? Je m'appelle Ben McCain. D'ailleurs, vous pourriez peut-être m'aider. Impossible de trouver mon hôtel. Quelqu'un m'a dit de chercher le Castel. Vous savez où c'est? Ah, mais vous y êtes. Monsieur McCain, mais oui, nous avons une réservation. Vous êtes ici pour 2 mois. Je suis Catherine Beaufort, propriétaire du Castel Beausit. Ah, très bien. Et voici Moira, ma nièce. Pardonnez-moi, mais je suis submergée aujourd'hui. Moira, ma chérie, tu veux bien accompagner Monsieur McCain à la réception? Tu seras gentille. Mais pourquoi? C'est juste là. Il n'a pas besoin. C'est un plaisir, Monsieur McCain. Surtout, faites comme chez vous. Nous sommes à votre disposition nuit et jour. Merci. Où est le reste de vos bagages? Oh, tout est là. Vous allez rester pendant 2 mois et tout est là-dedans. Je suis un champion du bagage compact. Moins de bazar, moins de complications. Si, si, vous avez plus besoin de moi. Je... Oh, dis donc, ce meuble est splendide. Un artisan local? C'est ça, en effet. Oh, le type qui a réalisé ça est vraiment doué. Non, mais regardez-moi ce travail. Les essences se marient superbement bien et ce pied biseauté. Oui, je trouve aussi. Et celui qui l'a réalisé, c'est moi. Oh, c'est vous, vraiment? Je suis désolé, je pensais que vous travailliez ici. Non, j'ai un petit atelier dans le centre. Je suis ma propre patronne. Mais bien, vous êtes douée, je suis très impressionnée. Merci. Quand on vit sur une petite île et qu'on a besoin d'un artisan ou d'un réparateur quelconque, on peut compter que sur soi-même ou sur son voisin, sinon on est fichu, c'est comme ça. Du coup, on développe tous certains talents. C'est pour ça que j'adore voyager, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir leur mode de vie, leur monde. La vie devrait être une aventure. Si vous avez plus besoin de moi, je... Bien sûr, allez-y, merci. De rien, Julie va vous enregistrer. Ça, vous pouvez le mettre là, s'il vous plaît, derrière les bonbons, et on mettra l'autre là. Oh, je l'adore. Ouais? Oui, j'adore, il est magnifique. Il va parfaitement avec le comptoir, regarde. T'es tellement douée. Oh, merci. Au fait, j'ai presque terminé la dernière pièce. Je te ferai livrer le reste demain matin. Parfait, parfait. Devine la question qu'on me pose le plus souvent. Combien de kilos de bonbons peut-on passer à la douane? C'est vrai, on me la pose souvent aussi, celle-là. Mais celle qui revient le plus souvent, c'est qui est l'artiste derrière ces merveilles? Donnez-moi le nom de cet homme.
et je leur réponds qu'il s'agit de l'œuvre d'un artiste local très doué, une personne de goût, une fée du ciseau à bois, philosophe au grand cœur qui résout tous les problèmes, digne d'un maître de la Renaissance, et c'est une femme. Waouh ! La description sur la carte est plus succincte, juste mon nom et mon numéro. Et c'est une femme humble, c'est pour ça que tout le monde l'adore. Écoute, je sais combien d'heures t'as passé là-dessus. Et au risque de me répéter, sache que je ne désespère pas qu'un jour tu prennes enfin du temps pour toi. Qu'on parte en voyage toutes les deux, qu'on aille à Paris. Je sais, tu trouves que je travaille beaucoup trop. C'est une évidence. Et je sais, t'économises tout ce que tu peux. Chaque centime. Ce que j'essaye de te dire, c'est que si jamais un jour l'aventure se présente à ta porte, accueille-la. T'imagines un peu, comme dernière parole, rappelle-toi quand je travaillais comme une acharnée, que j'étais si épuisée que quand j'étais enfin en congé, je dormais et je faisais la lessive. Je tâcherai de m'en souvenir. Donc ça, c'est l'idée de base. Et toutes ces montures, je les ai déjà construites. Une fois assemblées, on pourra ajouter des éléments décoratifs au choix. Pour moi, c'est déjà merveilleux comme ça. Bravo. J'adore ce que tu as fait avec ces arches. Cet homme a l'air totalement perdu. Oh, Monsieur McCain. Oh. Mais arrête. Vous le connaissez? En effet. Non, c'est un... Rebonjour, mesdames. Je cherche désespérément une table disponible, mais on dirait que les restaurants ont été pris d'assaut. Me voilà donc affamé et dans la rue. J'ai appris un mot de breton en passant, c'est Kenavo. Kenavo, ça veut simplement dire au revoir. Je serais vous, je me baladerais encore un peu, vous pourriez en apprendre plus. Retournez au castel. Le restaurant garde toujours des tables pour nos hôtes. La leçon de breton attendra. Merci. Oh, cette arche est magnifique. Vous allez vous marier. C'est vous, l'heureux élu? Non, on va pas se marier. Pas encore. Ah. Non, non, personne ne se marie, mais nous recevons beaucoup de demandes pour des mariages en bord de mer. Et Moira a gentiment accepté de réaliser cette jolie arche pour moi. Vous l'ignorez, mais je fais un peu de design, moi aussi. Ah oui? Des maisons, principalement. C'est la raison de ma venue en France. Vous avez un chantier sur cette île? Oui, les travaux commencent demain. Bon, je m'imposerai pas plus longtemps. Merci pour le bon plan resto et nos vat. Ça, c'est bonsoir. Ah, alors, crampoise? Ça veut dire crêpe. Ah, merci, salut. Ça, c'est pour les amis. Ah oui, c'est cruel, mais c'est très drôle, très drôle. Au revoir. Au revoir. Il est différent. Oui, un très beau jeune homme, un aventurier sans attache. J'ai pas confiance. Trois chargeurs, ça devrait aller. Ça, c'est pas bon. Il y a des écriteaux dans toutes les chambres. Ne pas surcharger le circuit. Même un enfant de 4 ans peut comprendre. Pardon. Peut-être que je devrais préciser ce qui pourrait surcharger. C'est peut-être pas assez clair. Oui, on s'en occupe. Ne pas surcharger, c'est assez simple, non? Ben! Bonjour, comment ça va? Ce soleil, quel bonheur. Jacques et moi, on discutait de la coupure de courant d'hier soir. Ah oui, en effet, il n'y a plus du tout de courant à mon étage. Quelle histoire. Pas trop de dérangements, j'espère? Non, et vous ferez la lumière sur ce mystère. Comme c'est amusant, ça. Vraiment très marrant. Mais veuillez m'excuser, je suis attendu par l'électricien pour faire la lumière sur les dégâts subis. Bonne journée. Pas salut. Merci, Jacques. J'ai comme l'impression qu'il ne m'apprécie pas beaucoup. Il est juste un peu tendu ce matin. Ça fait des heures qu'il reçoit les plaintes de clients très mécontents et il a fallu vider les congélateurs, tout avait fondu, d'où son humeur. Je vois, eh bien, j'espère qu'on trouvera le coupable. Oh, ça fait aucun doute. Pour un crime si odieux, c'est la prison ici, vous savez. On est arrêté? Oui. Vous êtes dans le bâtiment, c'est ça? Vous savez que les circuits électriques anciens sont plus délicats. Par exemple, cette demeure, c'est une vieille bâtisse. Oui, mais moi, je suis dans l'architecture contemporaine. Vous auriez une activité à me recommander, par hasard, sur l'île? Il y a de belles promenades, ou des randonnées à vélo, ou... tout, sauf vous approcher d'un circuit électrique. Ce serait gentil.
La prison, c'était vraiment pas drôle. Moi, je trouve. Oh. C'est vous le guide ? Oui, oui, nous partons dans une minute. Départ dans une minute. Vous pouvez aller vous mettre à l'arrière du groupe, s'il vous plaît ? Oui, ok. J'ai hâte de découvrir les secrets de cette île. T'as vu comment il est habillé ? Il se rend pas compte de la difficulté. Il va mourir. Super comme accueil. On va se marrer. Ok, les gars, allons-y. Attention, on joue les athlètes ici. Allez. Attendez-moi, on y va. Ok. La brochure parlait d'un petit tour en France, mais pas du Tour de France. Une petite pause, ça tente personne? Vraiment pas? D'accord. Comment te remercier, Moira? Si j'avais assez de moyens, t'aurais déjà redécoré tout le magasin. Si tu avais les moyens, je dirais peut-être oui. Trêve de plaisanterie, j'ai effectivement une petite commande à passer quand t'auras un peu de temps. Pas de quoi financer ton vrai projet, je sais. D'ailleurs, ça avance de ce côté? Ah, tu parles du phare. Petit à petit, mais soyons réalistes. À moins de trouver un trésor dans mon jardin, je crois qu'il me faudra encore au moins un an pour pouvoir rassembler assez d'argent. Les chasses au trésor, j'adore. Garde espoir. Tes parents seraient très fiers de toi. Je reviens. Ben ? Oh, Moira. Je reviens de promenade comme vous me l'avez conseillé. Et j'ai trouvé ce vélo. Une promenade ? Mm-hmm. Avec un casque. Ouais. Et là, je l'ai vu. Le mouton, vous dites ? C'est ça, il était énorme et impitoyable. Il m'a attaqué. Je pédalais tranquillement avec les autres, je me régalais, j'étais à fond, j'étais au niveau, aucun problème. Et cet animal a soudain débarqué juste devant moi. Bam ! Un vrai hold-up. Est-ce qu'il vous a racketté ? Vous savez, j'aurais pu être réellement blessé, c'est pas drôle. Pardon, oui, oui, ça a dû être terrible. Vraiment. C'est grave, je suis désolée. Et vous êtes pas le premier ? On vit une véritable révolte de moutons. On craint pour nos vies tous les jours. Ils volent même les voitures, vous savez. En une minute, boum, le mouton s'enfuit au casino. Génial, très marrant. C'est bien ça. Il y en a que ça fait rire. Super, ouais. Quel soulagement, vous êtes en vie. Bon, sur ce, je dois aller à mon atelier pour le boulot. Mais si vous voulez, je peux vous raccompagner à l'hôtel quand j'ai fini. C'est gentil. Oh, au casino. Allez-y, riez. Moquez-vous de moi. Waouh. Très impressionnant, ce matériel. Merci. La plupart des outils me viennent de mon grand-père. Mais au fil des années, j'ai légèrement élargi la collection. Il était charpentier de métier ? C'est ça. Un vrai maître. Il disait toujours que travailler le bois, c'était se connecter intimement à la nature et à ses merveilles. C'était le genre d'homme qui, avec un simple morceau de bois et un ciseau, pouvait réaliser des chefs-d'œuvre. Maintenant, on sait d'où vous tenez votre talent. Apparemment, quand j'ai eu 7 ans, comme cadeau d'anniversaire, j'ai demandé un... Je voulais un bloc de bois de rose. J'avais décidé de fabriquer un objet d'exception. Le bois d'œuvre est assez cher ici, non ? Très. Mais surtout, il faudrait en trouver. Mais la beauté rare du bois fait que certains sont encore prêts à y mettre le prix. Waouh ! Vous devez avoir une file d'un kilomètre devant votre atelier. Oui et non. J'aime choisir les projets. J'accepte pas toutes les commandes. Pour moi, il faut que chaque réalisation soit particulière, qu'elle parle à mon âme. Qu'est-ce que je raconte? Ça a l'air ridicule. Non, 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 je comprends. Je suis pareil. Je pourrais voir l'extérieur? Allez-y. Oh, l'arche de votre dessin. Pour les mariages. La femme qui réalise tous vos rêves. Bonjour, Moira. Bonjour, Micheline. Bonjour.
Bon, je vais fermer l'atelier et je vous ramène à l'hôtel. Prêt? Prêt à détaler comme un lapin. Je vous ai fait peur, on dirait. Non, j'essayais de faire de l'humour et je promets de ne pas recommencer. Merci. Ah, Moira. Oh, c'est mon jour de chance. Bonjour, Maurice. Et qui est ce charmant jeune homme? Non, attends, tu ne t'es pas mariée en secret sans m'inviter à la noce. T'as fait ça? Oh, non. Et tu le sais, si jamais je me marie, tu feras partie des invités. Maurice. Mais les gens m'appellent l'homme aux fleurs. Et voici mes beautés, à votre service. Ben McCain, ravi de vous rencontrer. Maurice, vous auriez un restaurant à me recommander? Ah, mon ami, nous sommes en France. C'est impossible de vous tromper d'endroit, tout est excellent. Allez, vous deux, grimpez, je vous conduis. Oh, pas moi, désolé, j'ai beaucoup de choses. Allons, tu ne vas pas abandonner notre ami Ben. T'as raison. Merci. Quelle superbe église. Elle est magnifique. C'est la plus ancienne et la plus grande. Ah, l'amour de l'ancien. Et si vous commandiez pour nous? Surprenez-moi. Alors, une douzaine d'huîtres fines de clair, s'il vous plaît. Prère et pas lourde. Ouais, voilà, pour deux, c'est parfait. Ah, mettez aussi, comme entrée, des bulots. Très bien. Génial, merci. Merci. Alors dites-moi, votre famille vient de la région? C'est ça, tous mes ancêtres connus sont nés ici, maternels et paternels. La famille de ma mère a ouvert l'hôtel au début des années 20. C'était une pension de famille. Et du côté de mon père, ils étaient gardiens de phare de père en fils. Gardiens de phare? Ah, dans la maison en contrebas. Mm-hmm. Eh bien, vous êtes attachés à vos racines. Et à ce que je vois, c'est la première fois que vous venez dans la région. Ah, oui. Qu'est-ce qui m'a trahi? J'adore venir avant le chantier. Je voulais rencontrer les gens du coin. Apprendre votre façon de vivre. Ah. Et qu'est-ce que vous avez appris jusqu'ici? Que les gens de cette région sont de vrais épicuriens. Qu'ils sont très doués quand il s'agit de profiter de la vie. Et la nourriture. La nourriture est juste incroyable. J'ai avalé 3 baguettes rien que ce matin. Je vois. Leçon numéro 1. La qualité l'emporte sur la quantité. Peut-être qu'une seule baguette absolument divine par jour suffirait. Et leçon numéro 2? Essayez déjà la numéro 1. Merci. Merci. Bon alors, qu'est-ce qu'on va déguster? C'est une spécialité locale à base de calamar géant. Ah, du calamar? Oui, les yeux bouillis. Oh. Non, ce sont des escargots de mer. Ah, des escargots. On y va. Bon appétit. Bon appétit. Génial. Ah, il se laisse pas faire, hein. S'il te plaît, Marplish. Marplish. Merci. Trugaré. 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 C'est délicieux. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, vous aussi. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Bonsoir, monsieur. Vous voulez boire quelque chose? Je vous sers quelque chose? Oui. Essayez le poiret. Si vous connaissez le cidre, c'est assez similaire. Acidulé, mais particulier. Deux. Trugaré. Oh, très bien. Excellent. C'est vraiment un petit coin de paradis, cet endroit. Vous êtes chanceux. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous appréciez votre séjour? Ah oui, beaucoup. C'est fantastique. D'ailleurs, j'ai été dans le centre-ville ce matin, j'ai eu la chance de voir l'atelier de Moira. Elle vous a invité? Pas tout à fait, à vrai dire. J'ai encore eu un petit accident de vélo. Oh. Ah, merci. Elle est vraiment incroyable. Son travail est... extraordinaire. Dans la famille de son père, ils avaient tous beaucoup de talent. Son grand-père en particulier. Après le décès de ses parents, Moira ne l'a plus quitté. Elle était comme collée à lui. Oh, ses parents sont morts. Je savais pas. C'était il y a longtemps. Elle n'était qu'une enfant.
Et vous, où vivez-vous? Ça, c'est une excellente question. Je vagabonde tellement pour le boulot que j'en suis plus vraiment sûr moi-même. Hein? C'est typique pour un architecte? Eh bien, ça dépend, mais dans mon cas, oui. Mais c'est aussi par choix. J'adore ne pas savoir ce que la vie me réserve. Un homme qui dessine des maisons, mais qui n'en a pas une à lui, c'est un comble, non? Disons que je n'ai pas encore trouvé un endroit où le besoin de rester est plus puissant que l'appel de l'aventure. C'est fou comme vous me rappelez énormément quelqu'un que j'ai bien connu. J'ai eu une charmante conversation avec ce cher Ben. Il m'a dit beaucoup de bien de ton travail. Et tout autant du déjeuner que vous avez partagé. Je sais ce que t'as derrière la tête. Je n'ai rien derrière la tête. Mais il va rester ici pendant tout l'été et... Et? Il est assez charmant, non? En plus de ça, il n'est pas vilain à regarder. Et? Vous partagez pas mal d'intérêts communs. Un amour pour le design. Et? Peut-être que si l'occasion devait se présenter, ça te ferait pas de mal d'apprendre à mieux le connaître. Qui sait? Ok. Catherine, la dernière chose que je cherche pour le moment, c'est un amoureux. L'amour se cache, on ne l'attend pas. Les touristes, non merci. Je t'aime. Bisous. C'est là. Est-ce que Jacques est dans le coin? Il sera de retour pour le déjeuner, je pense. C'est une urgence? J'ai organisé une livraison des premières pièces de l'Arche ce matin et j'espérais trouver quelqu'un pour les porter avec moi. Oh, j'en connais un qui sera déçu d'avoir manqué ça, pauvre Jacques. Mais peut-être que quelqu'un pourrait t'aider. Ben! Bonjour. Bon, je crois qu'on a fini, ça y est, c'était les derniers. Est-ce que vous voulez un coup de main pour les assembler? Non, c'est gentil. Et puis, vous aviez sûrement des projets. Non, j'ai pas de projet. Terminé alors le vélo? Ah. J'avoue, j'ai pas eu beaucoup de chance avec les vélos jusqu'ici. La prochaine étape, c'est de finir la journée sans égratignure. Vu vos antécédents, bonne chance. Bon. Merci. C'est gentil. De rien. Avec plaisir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous allez en mer? Oui, vous voyez, j'ai pris un bateau. Quoi, ça? Oui. Sauf que ça, c'est pas un bateau. Vous le savez, on utilise ces petites barques pour rejoindre un vrai bateau. Ah. Et vous avez vérifié l'horaire des marées? Parce que si vous tombez en pleine marée basse, vous pourriez être bloqué dans la baie. Mais non, je reviens dans une heure, maximum. Ah, oui, l'espoir fait vivre. Où est-ce que vous voulez aller? Oh, je voulais voir la baie, peut-être faire le tour, histoire de mieux observer le phare. Oh, le phare? L'aspect technique est souvent mis en avant quand on parle d'architecture. Mais pour moi, la forme est tout aussi importante, voire plus importante que la technicité. Forme et technique forment un tout. Et la forme, elle vient directement du cœur du concepteur. Ce phare, par exemple. Un phare existe pour sa fonction d'aide au navire, rien d'autre. Pourtant, tous les phares sont différents. Pourquoi? Parce que chacun d'entre eux reflète à sa manière l'âme de leur architecte. Vous êtes très... très surprenant. Je la surprends. Pas aussi surprenant que mon attaque de mouton, cela va sans dire, mais je prends le compliment. Je suis surprenant. C'est vrai, l'architecte baroudeur dont la vie entière tient dans un seul sac. On a besoin de rien d'autre, si? Une famille, c'est le plus important. Parce que sans une famille, on n'a aucune histoire, aucune racine. On est perdu, on est comme des flotteurs en pleine mer. Ça me plairait, personnellement. C'est pour ça que vous voyagez autant? Je voyage parce que c'est ça, ma vie. Ma vie, c'est mon travail. J'adore créer quelque chose à partir de rien ou rendre tout neuf quelque chose de très ancien. Ah.
Alors que moi, j'aime prendre l'ancien et conserver son histoire. Je pense que chaque fil de bois, chaque clou rouillé, chaque écaille de peinture raconte quelque chose. C'est l'histoire d'une époque, l'histoire des gens, c'est... une partie de l'âme de son artisan. Ah. Donc, le phare a été reconstruit. Oui, en 1946, il avait été complètement détruit pendant la guerre. Et maintenant, vous voulez l'acheter, c'est ça? Quoi, le phare? Non, en fait, ce phare appartient à l'État. Mais la maison du gardien du phare, c'est une propriété privée. La famille de mon père a vécu dans cette maison depuis sa construction. Et un jour, je l'achèterai pour la restaurer. C'est mon rêve. Chaque poutre, chaque cheminée. C'est la maison que vous voulez... Moira, attendez! Monsieur? Monsieur, c'est une propriété privée. Vous pouvez pas entrer. Je sais que c'est une propriété privée. Inutile de sortir les fourches. Ben McCain, bonjour, bienvenue. Mais vous le connaissez? Nicolas Martin. Moira, Beaufort. Enchanté. Monsieur McCain est vraiment un architecte de génie. Est-ce qu'il vous a montré les plans qu'il a imaginés pour la maison? Pardon? Mais montrez quoi? Vous m'expliquez? Je suis là pour ça. Il va construire ma nouvelle maison. Moira, je suis désolé, je crois qu'on s'est un peu mal compris. Pas du tout, non, on s'est parfaitement compris. J'ai été engagé pour construire une maison, j'ignorais où elle se trouvait, je vous jure que... Vous n'avez pas été engagé pour construire une maison, mais pour une démolition de ma maison, celle de ma famille. Si vous jetiez un coup d'œil sur mes plans, vous non, verriez non, merci, que... Non, gardez vos plans. J'ai eu tout le loisir de comprendre votre philosophie. Du neuf sur l'ancien, j'ai pas raison. Pour la maison, c'est vrai, mais on ne touchera pas au phare. Sauf que la maison et le phare font partie d'un tout, vous le voyez pas? C'est évident quand même, c'est insensé, comment oser... Je perds mon temps. L'histoire, les racines, tout ça, ça vous est égal? Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce que je vous raconte? Moira! T'étais au courant? Au courant de quoi? La vente de la maison! Elle vient d'être achetée par un investisseur qui compte tout démolir! Tu m'as perdue, Moira. Je ne vois pas du tout de quoi tu me parles. Quel investisseur? Quelle maison? La maison du gardien du phare! C'est pour ça que Ben est ici, c'est lui l'architecte du projet. Ils vont démolir la maison de mes parents pour construire une nouvelle résidence privée. Moira, comment veux-tu que je sois au courant? Mais qui est cet investisseur? On le connaît? Oui, entrez. Bonjour, Catherine. Nicolas? C'est pas vrai, toi aussi tu connais cet homme? Je comprends pas. C'est toi l'investisseur? Le temps était venu pour moi de rentrer. Rentrer après 30 années? 30 ans de silence? 30 ans sans même un coup de fil? Écoute, je ne voulais pas interférer dans les plans de quelqu'un, je suis désolé, mais ce que je peux t'assurer... Cette conversation est terminée. Catherine. Nicolas, va-t'en. Et voilà, je suis devenu le méchant de l'histoire. Ah non, ne pensez pas ça, Nicolas. Je vois juste deux personnes avec le même rêve. Ça ne fait pas de vous le méchant de l'histoire. Oh que si, c'est un peu plus compliqué que deux personnes pour un seul rêve. Merci. Merci. Vous savez, cette île et moi, c'est toute une histoire. On a un passé. C'est ici que je suis né. C'est ici que je suis tombé amoureux pour la première fois. C'est le seul endroit que je peux vraiment appeler ma maison. Je crois que j'ai besoin de ça, me sentir chez moi. Vous voyez? Au final, c'est pas la Terre qui nous appelle. Les gens nous appellent. Ce seront toujours les gens qui nous appellent. C'était quelqu'un de doué. Il avait confiance en lui, comme une star de cinéma. C'était un garçon très sérieux, un aventurier. Quand je l'ai connu, il était dans l'armée. Son rêve, c'était d'étudier la médecine aux États-Unis. Toujours le nez dans ses bouquins. Oh, ça a été le coup de foudre instantané. C'est pour ça qu'il est parti? Pour ses études? Non, la guerre. Dans le Golfe. La France avait envoyé des soldats pour combattre aux côtés des Américains. Et ensuite, après la guerre, il est juste jamais revenu? Tu l'as plus jamais revu? Ce n'était pas aussi simple, tu sais. C'était juste après... Après la mort de mes parents. Tu étais encore si jeune. Un tout petit moineau avec une aile brisée.
Ici, c'était ta maison. Il fallait que tu restes chez toi, pour guérir, pour te sentir en sécurité, pouvoir grandir. Nicolas, il voulait voir le monde. Mais c'était un homme bien. S'il avait su la vérité, je sais qu'il serait revenu pour bâtir une vie avec moi. Et je suis persuadée qu'un jour, il se serait réveillé plein de regrets et qu'il m'en aurait voulu. Mais t'as dû renoncer à cette vie pour moi. Non, ma chérie. C'est toi le plus beau cadeau de ma vie. Si j'y ai renoncé, c'est par amour. Par amour pour lui. Je suis tellement désolée pour ta maison, si tu savais. Monsieur McCain, j'espère que votre journée a été bonne. Pas tout à fait, pour être honnête. Ah, bonjour Maurice. Bonjour. Je crois qu'aujourd'hui, je vais essayer... Il n'y a plus rien. Tout est vendu. Vendu? Sérieusement? C'est comme ça. Désolé. Au revoir. Non, détruit. Détruit entièrement pour en faire une espèce de... résidence. Il n'y a aucun espoir? Je crois que non. C'est bonjour. Vendu. Je retourne à la boutique. On s'appelle? Bonjour. Je peux... Oui, évidemment. Écoutez, je me sens vraiment très mal à propos de toute cette histoire. Je suis pas venu ici pour ruiner la vie de qui que ce soit. En 24 heures, je suis devenu l'ennemi public numéro un. Vous devez comprendre une chose. Nous, les habitants de cette île, on est comme une famille. Leçon numéro 2, ce sont les gens qui comptent le plus dans la vie. Et quand l'un d'entre nous souffre, on souffre tous. Je me suis dit que je vous trouverais ici. Vous comptez pas m'assommer avec ça, j'espère. Et gâcher un litre de cidre par la même occasion? Non, vous en faites pas. Oh. Merci. À propos de ma leçon numéro 2. Vous vous êtes retrouvés tout à coup jetés au beau milieu de notre petite tragédie locale et... C'était injuste, vous faites que votre travail. Oui, c'est vrai, ça n'a rien de personnel. Peut-être pas pour vous, mais c'est toujours personnel pour quelqu'un. Mais voilà, c'est injuste que vous soyez le coupable de toute cette histoire. Vous avez raison. Je vous connais pas. Et si vous vous êtes senti mal jugé ou mal accueilli, je suis désolée. Vraiment désolée. Si jamais vous avez le temps, est-ce que vous pourriez me montrer? Que je comprenne? Depuis sa construction, la famille de mon père, les Beaufort, en furent les seuls et heureux occupants. C'étaient les gardiens du phare. Pendant les deux guerres mondiales, alors que les hommes étaient partis combattre l'ennemi au front, les femmes, elles, sont restées au phare, veillant à ce que la lumière ne s'éteigne jamais. Mon père est venu au monde entre ces murs. Pourquoi avoir vendu la maison? La maison n'a jamais été à eux. Cette maison était attribuée au gardien du phare. Le gardien et sa famille vivaient ici pendant la durée de sa carrière, mais le domaine restait la propriété de l'État. Dès que ça n'a plus été le cas, mon père a décidé qu'un jour, s'il réussissait à économiser assez d'argent, il l'achèterait. Mais
persuadée que vos idées sont géniales. J'ai aucun doute là-dessus. Mais cette maison raconte l'histoire de ma famille aussi loin qu'on peut remonter. Mon père a grandi dans cette maison. Si elle venait à être démolie, je... C'est tout ce qu'il me reste de mes parents. Catherine ? Nicolas, je t'en prie. Je ne sais pas ce que tu espères, mais... Je n'espère rien du tout. Cette île, c'est chez moi, tu le sais. J'avais toujours en tête de revenir. Catherine, sache que je ne voulais pas rouvrir d'anciennes blessures. Pourtant, tu es devant moi. Pourquoi ne m'avoir rien dit pour Moira à l'époque ? T'aurais dû. T'as juste arrêté de répondre à mes lettres. Silence total. Comme si j'avais pas existé. Je serais revenu pour toi. Oui, et après ? Je savais ce que tu étais. Tu aurais tenu un an, ensuite tu aurais tourné en rond. Tu as de grands rêves en tête, des rêves importants. Rêves que je n'ai pas réalisés. Je n'ai pas réalisé ces rêves dont tu parles parce que tu en faisais partie. Ton absence, c'était ça l'épreuve. J'ai passé ma vie à me demander pourquoi... était simplement que tu en aimais un autre. Je suis désolée. Ah, Nicolas. Bonjour, Ben. Justement, je vous cherchais. Moi aussi, c'est fou. J'ai une nouvelle idée. Tout comme moi. Est-ce qu'il s'agit aussi de la maison ? Il s'agit d'une femme. Oh. On en parle en marchant ? Je crois qu'on ferait mieux d'aller s'asseoir pour discuter. Venez. Dites-moi tout. Vous d'abord. C'est... Et après, qu'est-ce que t'as fait ? Je me suis enfuie comme une enfant. Qu'est-ce que je devais répondre à ça ? Je sais pas. Je te raconte tout ça parce que... Peut-être que tu attends de moi que je déteste cet homme. Cet homme qui a acheté ton domaine. Mais tu comprends, chérie. Tout ça est très compliqué. Ah. S'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que notre existence ne tourne pas toujours comme on l'avait prévu. Mais qu'on peut choisir quoi faire de tous ces imprévus. Nous sommes le capitaine de notre navire. Même si ce n'est pas nous qui contrôlons le vent. J'en ai voulu à la vie pendant tellement d'années, pour tellement de raisons. Et j'en ai plus la force, c'est terminé. Moira ? Oh, allez ! Mais pourquoi tu veux pas rentrer ? Allez ! Tu peux rentrer ! On dirait que vous et ce meuble, vous vous êtes disputés ce matin. C'est ces vis plates. Elles sont vieilles et capricieuses. Elles refusent de m'obéir. C'est agaçant. Je peux ? Attendez. Je la tiens. Merci. Ça faisait des heures que... Vraiment têtu, ces vis. Sans les gens têtus, on s'ennuierait, non ? J'ai parlé avec Nicolas aujourd'hui. Tout ce qu'il voulait, c'était revenir dans l'endroit qu'il aime le plus au monde, entouré des personnes qu'il aime le plus au monde. Il veut garder cette maison. Et la restaurer. Mais il veut que ce soit vous qui supervisiez le projet. Moi ? Oui. Vous avez le talent. Et surtout, qui d'autre que vous s'acharnerait à ce que tout soit parfait ? Mais on commence la semaine prochaine. Non. Non, je crois pas que je sois celle Moira, qui... Moira, je vous en prie, c'est très clair. Je sais que ce n'est pas ce que vous attendiez. Ce n'est pas non plus ce que je voulais. J'ai passé un an à plancher sur ce projet et pour tout vous dire, j'étais plutôt fier de moi. Mais nous savons tous les deux qu'une rénovation contemporaine, ce n'est pas ce qu'il lui faut. Vous avez l'opportunité de voir votre vision se concrétiser, moi non. Alors allez-y, foncez. Ne le faites pas pour moi, ne le faites pas pour Nicolas. Faites-le pour vous, Moira. Si vous refusez, je comprendrai. Mais s'il vous plaît, on a besoin de vous. C'est d'accord. Pour moi.
J'accepte de le faire, pour moi. Super. Je lance les préparatifs, là. Comme bon nombre d'entre vous le savent déjà, c'est un moment très important pour moi aujourd'hui. Et c'est un grand honneur de travailler aux côtés d'artisans tels que vous. Un dernier appel, le mot d'ordre est la préservation. Je compte sur vous. Soyons le plus précis possible dans chacune de nos actions. J'attends de vous que vous soyez aussi attentionnés que vous le seriez s'il s'agissait de votre maison. Et amusez-vous surtout, bien entendu. Super, bon courage. Quoi? Non, rien. Allons-nous mettre au parfum? Oui. Bon, délicieuse odeur de chaussettes sales. Oh, c'est juste les champignons. Ne les respirez pas. Eh bien, si je sens leur odeur, c'est une preuve que je les respire, non? Bah, j'ai une idée. Respirez plus. Allons, je vous manquerai trop. Sors le bois. Merci. Je suis assez surpris de l'état général vu l'âge du bâtiment. J'adore le caisson en bois qui surplombe la cheminée. Une véritable œuvre d'art. Oui, c'est mon grand-père. Il a signé toute la menuiserie. Le haut de cheminée, pardon. Les moulures, les éléments de déco, juste là. Ça, on laisse. Tu peux t'occuper du reste? Oui, bien sûr. Merci. Est-ce que la maison a été inondée par hasard? Oui, c'est possible. On dirait bien que le châssis de la fenêtre a pourri sur toute la partie basse. Vous pourriez nous en fabriquer un nouveau? C'est beaucoup de travail. Non, sinon c'est pas grave. On pourrait tout jeter et peut-être mettre un châssis en PVC avec du double vitrage. C'est vous que je jetterai avec votre châssis en PVC avec double vitrage. C'est ça, tous pour moi. Ah oui, super. On va leur donner une seconde vie, hein. C'est promis. On va les mettre là. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Demande à Greg plus tard. Quoi? On dirait qu'il y a une porte derrière l'armoire. Quoi? Je reviens pas. J'ai déjà essayé de la bouger, mais c'est impossible. Oh, attendez. Vous vous battiez souvent à l'école? Non, les autres avaient bien trop peur de moi. Je vous en prie. Oh. Catherine. Si mes souvenirs sont bons, tu adores cuisiner, non? Je t'ai apporté ceci. Tout droit sorti du marché. Merci. Je ne t'avais pas encore remercié pour ta décision de préserver la maison du phare. C'est tellement important pour Moira. Et pour moi. Pour tout le monde. Vu qu'on va devenir voisins, toi et moi, j'aimerais qu'on puisse passer à autre chose. Et faire la paix. Ça me va. Tu sais, c'est une délicate attention, mais le plaisir dans la cuisine, c'est d'avoir quelqu'un avec qui la partager. J'avais entendu des rumeurs, comme quoi ma famille avait caché des alliés pendant la guerre. Mais ça, c'est... Regardez la date, 1943-1944, en pleine guerre mondiale. Exact, et... il n'y a que des lettres d'amour, toutes signées de la même personne. Mon amour, mon trésor, mon très cher JP. Mon cher JP. Mon cher JP, tu occupes toutes mes pensées. J'aime à rêver de ton souffle sur ma joue.
Dès que je serai en sécurité, je t'enverrai une missive. Tout mon amour, à l'amour de ma vie. C'est signé A. Alors ce JP à qui elle s'adresse a dû certainement faire partie des alliés, vous croyez pas? Oui. Imaginez un peu. Tomber fou amoureux de quelqu'un et en être cruellement séparé. Sans jamais savoir quand la prochaine lettre arrivera, ni même où se trouve l'être aimé. Ça a dû être tellement dur. Et passer des mois complets, tout seul, dans cette pièce minuscule, avec pour seule compagnie ses pensées, ses inquiétudes. Ça nous rappelle la chance qu'on a et surtout qu'il faut en profiter. J'aimerais beaucoup montrer notre découverte à Catherine. Vous voulez... Oui, bien sûr. Avec plaisir. Ok. Santé. Bon, c'est bien. Oui, merci. Santé. Oh. Oh, Moira, j'ai perdu la notion du temps. J'ai invité Nicolas pour qu'il puisse cuisiner et... J'ai préparé de quoi nourrir toute la ville, je crois. Vous vous joignez à nous? Un plat, c'est fait pour être partagé. Très bien. Oui, merci. C'est tout à l'heure délicieux. Merci. Oh, c'est du filet de merlu et ses petits légumes de saison. Un plat typique de notre belle région. Nicolas est doué, c'est le meilleur que j'ai goûté. Et par chance, il y avait ces magnifiques légumes anciens au marché bio ce matin. Bon, vous pouvez mettre ce plat à table? J'apporte les assiettes. Mais bien sûr, je suis impressionnée, je ne vous savais pas cuisiner. La cuisine, c'est le fer de lance de notre culture, vous savez. Et préparer à manger, ça fait partie du plaisir, non? Leçon numéro 3. Un repas, c'est fait pour être savouré. Il faut toujours réserver du temps pour en profiter. Ne jamais manger en marchant. Attention. Encore moins si une certaine personne folle furieuse vous fonce dessus sur son vélo. J'ai vu que les échafaudages étaient déjà montés. On dirait que vous avancez bien sur le chantier. C'est vrai, Moira semble être née pour diriger cette équipe. Merci. Mais sans Ben, j'aurais simplement aucune équipe à diriger. Eh bien, tout est parfait. Oui. Mais, en fait, j'ai quelque chose à te dire. Oui, en effet. On pense avoir la preuve que les ancêtres de Moira faisaient partie de la Résistance. On a découvert une pièce secrète dans le sous-sol et on dirait qu'ils y hébergeaient des alliés. Oui, on a trouvé des effets personnels et aussi de nombreuses lettres d'amour. Elles sont adressées à un homme, un certain JP, un étranger. Enfin, on croit. On pense qu'ils ont dû cacher cet homme pendant l'occupation. Tu n'as connu ton grand-père que sous le nom de René. Mais quand il était jeune, il préférait qu'on l'appelle par son deuxième prénom, Jean-Paul. Si je ne me trompe pas, lui et ta grand-mère ne se sont mariés qu'après la fin de la guerre. Donc, on dirait que ces lettres doivent dater de... Avant qu'il ne rencontre ma grand-mère. Donc, il a aimé secrètement cette femme sans jamais en parler de toute sa vie. Mais alors, c'est cette femme mystère qui se cachait, pas lui. C'est Adrienne. Mmh. Donc, si la famille d'Adrienne faisait vraiment partie de la Résistance, ils ont dû l'envoyer ailleurs pour la cacher. Oh, c'est fou, on se croirait dans un film. Une jeune femme magnifique tombant amoureuse d'un beau jeune homme. Comment vous savez qu'elle était belle? Facile, elle était française. Dites, vous avez pas un travail à faire, par hasard? Si, je planche sur la cuisine et j'ai besoin de vous, donc finissez, qu'on puisse sortir et en discuter. Vous avez bientôt fini. Oh, wow. On y va. Vous ne pensez pas pragmatisme. Et vous, vous laissez complètement de côté toute la philosophie de ce chantier. La philosophie, c'est sympa, mais que ce soit pratique, c'est pas plus mal non plus, figurez-vous. À quoi sert une cuisine si elle n'est pas fonctionnelle? Ah, alors l'aspect pratique doit ignorer tout objectif historique, j'ai bien compris. Vous n'avez même pas regardé mes propositions. Inutile de regarder vos propositions. Je sais déjà que c'est... Quoi? Non, qu'est-ce que vous regardez? Vous faites quoi? On va prendre un café, chose tout à fait pragmatique et qui respecte la philosophie de cette promenade. Non, Ben, on était en train de parler de quelque chose de... Leçon numéro 3. Accorder du temps pour profiter de son repas. Et je n'ai pas pris mon petit-déj, donc. Le plan de travail serait en granit rose, le même qu'on retrouve sur le phare. Mm-hmm. J'ai trouvé un fabricant à Aurec qui peut le faire sur mesure. Et là, vous voyez, sur les armoires murales, on ajouterait une partie en vitrail pour un rappel avec les portes extérieures. C'est un travail très consciencieux. Cette attention portée à chaque détail, c'est vraiment incroyable. Vraiment, c'est... C'est parfait. Merci. Si on m'avait dit qu'un jour, je me retrouverais là. Une créatrice française avec un architecte américain. Pas mal comme scénario. En parlant de scénario, j'ai un aveu à faire. J'ai lu les lettres. Toutes les lettres? Je m'excuse, désolée, j'étais trop curieuse. Oh, elle tue brutalement le pauvre Américain qui lui faisait confiance. Mais c'est bon, ça va. Mais est-ce que je vous raconte? Oui, avec plaisir.
Votre grand-père était vraiment un sacré poète. Cette façon qu'elle a de le décrire en train de faire son portrait. Pour seule lumière, la pleine lune. Y a pas plus romantique. Peut-être que je devrais prendre des notes. Je savais même pas qu'il était peintre. Je pense même que personne ne le savait. Il a laissé cette vie dans son jardin secret après son mariage avec ma grand-mère. Quoi? Rien, je vous regarde et... Bonjour. 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 Oh, c'est merveilleux. Quel travail. Nous venons avec des offrandes. Tenez. Oh, merci. Vous travaillez tellement, tous les deux, on s'est dit qu'une petite pause vous ferait du bien. Merci. C'est gentil d'avoir pensé à nous. Je ne veux rien visiter avant que les travaux soient finis, mais franchement, je suis persuadée qu'elle devait ressembler à ça au premier jour. Je suis impressionnée. Oh, je dirais même plus belle encore. Grâce au talent incontesté de Moira. Moira, tu m'as appris à quel point le plus important dans l'existence, c'est de se battre sans relâche pour les choses qui nous tiennent à cœur. Jamais je ne pourrai assez te remercier pour cette leçon. Bon, eh bien, nous allons vous laisser travailler. Nicolas m'emmène dîner ce soir. Oh, bon dîner. Et merci encore. Amusez-vous bien. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Quoi? Elle s'en va pour Paris. Rejoindre la résistance? Non, pour la Fashion Week. Oh. Oui, pour rejoindre la cause. Écoutez ça. Approchez. Ici, elle lui écrit « J'ignore encore combien de temps durera cette parenthèse parisienne, mais je vous écrirai dès mon retour. Par la fenêtre de ma chambre d'enfant, il y a un énorme rocher. Il ressemble à un diamant brut. Et... Oh. Mon tendre, un jour, toi et moi, serons main dans la main au pied de ce rocher, et nous nous marierons. En attendant ce jour, mon cœur bat pour toi, mon âme vibre pour toi, tu es l'oxygène de ma vie. Prends soin de toi, mon amour. Je ne pense qu'à ce jour où nous nous reverrons. » C'est fini, c'est la dernière lettre? Oui, c'est tout, c'est la dernière lettre qu'il a reçue. Oh, non, c'est pas vrai. On sait pas ce qui s'est passé à Paris, on sait pas non plus si elle a survécu. Je sais par contre que mon grand-père ne s'est pas marié à une femme au pied de ce rocher qu'elle mentionne. Je connais ce rocher. Il se trouve de l'autre côté de cette île. Mais oui, je me rappelle, il m'y a emmené quand j'étais enfant. Incroyable. Aussi incroyable que Nicolas et Catherine qui se sont retrouvés après 30 ans de silence. Ouais. Oui. C'est vrai que tomber amoureux, ne serait-ce qu'une fois, c'est déjà incroyable. Mais se perdre de vue et se retrouver au bout du chemin... Ça paraît presque impossible. Et vous, vous êtes déjà tombée amoureuse? Oh, pardon, je suis désolée, vous n'avez pas à me répondre. Non, c'est rien. En fait, je suis un peu gênée, parce que... Comment dire? Regardez-moi, une jeune femme qui est venue au monde dans le pays de l'amour et qui n'a jamais connu l'amour elle-même, c'est gênant. Avouez que c'est... disons que je vais à contre-courant. Franchement, je sais pas ce que les hommes pensent quand ils me voient. Je sais pas si c'est à cause de mon travail que je suis célibataire ou... À cause de moi? Eh bien, je ne crois pas que ce soit à cause du travail. Je vous charrie, mais honnêtement, je dirais aucun des deux. Et vous? J'ai aimé une femme, à une époque, mais... Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut parler d'amour quand les sentiments ne sont pas partagés? Je pense pas, non. C'est probablement pour ça que je voyage autant. Je m'enfuis avant que les choses ne se compliquent. Donc, on pourrait dire que c'est mon travail, la raison de ma solitude, non? Ou moi. Oh, on n'est pas super déprimants, vous et moi. Franchement. Non, mais c'est vrai. Franchement, regardez-nous. On est entourés par toutes ces histoires d'amour tellement chevaleresques. Non, et pourtant, on est là, totalement incapables. Non, arrêtez, ne dites rien. On est pathétiques. Beaucoup trop pathétiques. Je suis désolée. Je sais pas du tout pourquoi on rit, d'ailleurs. Aucune idée, c'est pas drôle du tout, c'est clair.
Catherine, je te trouve très en beauté aujourd'hui. Merci, Jacques. On m'a invité à faire du bateau. Waouh. Ça ira pour tout gérer cet après-midi? Parfaitement, oui. Moira n'est plus souvent là ces temps-ci. Est-ce qu'elle... elle va bien? Elle est heureuse? Vraiment très heureuse. Je t'enlève? On y va, oui. À plus tard. Au revoir. Je croyais que c'était... Non. Est-ce qu'il... Quand on était sur le bateau. Oh. Oh, Catherine, je suis tellement heureuse pour toi, c'est merveilleux. Vous vous mariez quand? Ça, ma chérie, aussi vite que possible. Salut. Viens, j'ai un truc à te montrer. Allez, viens, suis-moi, allez, on y va, allez, viens. Un peu plus loin, n'aie pas peur. Stop. Retourne-toi. Regarde ce que t'as accompli. T'as réussi. Ma crénelèse, tu as géré comme une peine, c'est Marsus Red Veffé être fier de ton disparu travail. Tu es une digne héritière de la braise, alors. Gauchemen. Est-ce que t'avais noté comment prononcer? Bref, t'as réussi. Sauf qu'en fait, c'est toi. Sans toi, rien n'aurait été possible. Ben, t'as tellement de talent. Tu travailles dur. Et j'avoue, oui, t'es assez sympa comme garçon. Je m'amuse bien avec toi. J'ai apprécié passer ces mois avec toi, c'était très chouette. Pour moi aussi. Prends tes affaires, je t'emmène à l'aventure. Viens, allez. Ok. C'est là. Je me rappelle pas du tout pourquoi on était dans le coin avec mon grand-père, mais... Il y avait que lui et moi, et je me souviens juste de passer par là, et que d'un coup, il a arrêté la voiture. On est sortis. Et on s'est tenus juste ici. Ah. Quand je lui ai demandé pourquoi on était descendu de voiture, il m'a regardé, il m'a souri et m'a dit « T'as vu ce rocher? On dirait un diamant, n'est-ce pas ?» Et il a rien ajouté. Il a regardé ce rocher pendant quelques minutes et on a repris la route. On n'en a plus jamais parlé. C'est pareil que c'était cette fenêtre. Ah oui, la fenêtre dont elle parle dans la correspondance. On va voir s'il y a quelqu'un. Bonjour. 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 J'en reviens pas, j'ai passé toute ma vie dans cette maison. Et je n'ai jamais rien su. Cette histoire est terrible. Est-ce que vous l'avez connue, votre tante? À ma naissance, elle était déjà partie pour Paris. Ma mère était la cadette, elle était beaucoup plus jeune qu'Adrienne. Elle n'était qu'une enfant, elle n'a jamais rien su de sa vie amoureuse. Mais... elle se rappelait fort bien les mois durant lesquels Adrienne était à Paris. Elle m'en a souvent parlé, ça l'avait marqué. Est-ce que vous savez si Adrienne est revenue de Paris? Non. Beaucoup ne sont jamais revenus. Mais par contre, sa mémoire fut honorée ainsi que sa bravoure. Elle est morte en héros. Est-ce que, par hasard, vous auriez une photo d'elle à nous montrer? Malheureusement... tout ce qui nous reste d'elle tient dans cette boîte. Quelques effets personnels qu'elle avait avec elle au moment de sa mort. Oh.
Un amour perdu. Un autre qui renaît de ses cendres après 30 ans. Le cœur est le plus grand mystère de la vie. Le cœur est assez puissant pour déplacer les montagnes. Et pourtant si délicat qu'il se brise à la moindre blessure. Mais si l'on ne se risque pas à aimer sans aucune barrière, on risque de manquer le plus beau des cadeaux que cette vie a à nous offrir. J'ai souvent imaginé cette scène dans ma tête, si tu savais. Sauf que j'imaginais que les rôles étaient inversés et c'était toi la mariée. Je suis pas encore arrivée à ce chapitre de mon histoire. Tu en es sûre? Je ne t'avais jamais vue aussi épanouie ni aussi heureuse que ces derniers mois. Je te vois sourire dès le réveil, à ton départ au travail. Bah, c'est normal, j'ai restauré cette maison, c'était mon rêve. Ma chérie, je crois que tu as réalisé un autre rêve. Tu ris toute la journée, je te regarde et je vois la joie. Appelle ça comme tu veux, mais je reconnais l'amour quand je le vois. Ne fais pas comme moi, ne perds pas 30 ans à te demander ce que ta vie aurait pu être. Sa vie n'est pas ici, tu le sais. La mienne est ici. Comment je pourrais te quitter? Comment les laisser derrière moi? Oh, mais tu dois vivre. Je comprends, tu t'accroches aux souvenirs de tes parents, mais ils ne sont pas ici. Ils sont là. Ils seront là pour toujours. Tu dois cesser de t'accrocher au passé. Il est temps pour toi de laisser place à l'avenir. Tu n'es pas toute seule. Je t'aime. Et je t'aimerai toujours, peu importe l'endroit où la vie t'emmènera. Bon. Et si on allait me marier? Oui. S'il vous plaît, tout le monde. Une petite seconde. J'ai passé 30 ans de ma vie à chercher ce qui pourrait réellement me combler pour toujours. Alors qu'en fait, je l'avais déjà trouvée. Elle était là. Ma très chère Catherine, je t'aime. Vive les mariés ! Vive les mariés ! Vive les mariés ! Vive les mariés ! Santé ! Santé ! Je peux? T'es magnifique. C'est gentil à toi. Et toi, t'es très... Très français? Oui, c'est ça, l'élégance à la française. Décidément, t'es plein de surprises. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai été appelé pour un projet à Chicago. Un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et... Tu vas dire oui? J'ai déjà dit oui. L'été est fini. Moira, tu sais, cet été avec toi a été le plus beau que j'ai jamais... Arrête, tais-toi. Moira! Non, tu fais rien d'autre que ce que tu fais toujours. Tu t'en vas avant que les choses se compliquent. Mais c'est déjà compliqué. Toi, ta vie est ici, et moi, ma vie, elle est... Je sais. Et je comprends. Ta vie est là où le travail t'emmène, rien d'autre. Mais c'est pas aussi simple. Tu sais quoi? Rien ne t'oblige à te justifier. Tout va bien. Je vais bien. Alors va-t'en. Je veux pas qu'on se quitte comme ça. Je sais pas, peut-être qu'après Chicago, je pourrais... Je sais pas, je reviendrai, on sera ensemble. Et puis quoi? Ben, j'ai pas envie de passer ma vie avec quelqu'un qui passe me voir quand son agenda le permet. Moira, s'il te plaît. Non. C'est décidé. Je peux pas vivre ça. Tu devrais... Puisque tu dois t'en aller, va-t'en maintenant. Va-t'en. Je suis désolé.
Moira? J'avais écrit un discours pour vous parler de... Pour vous parler de... De l'amour, tout simplement. Et à quel point l'amour est pur, à quel point il est éternel, qu'il vous remplit de joie. Mais la vérité, c'est que... Je connais absolument rien à l'amour. Je sais qu'il nous surprend, parfois. Qu'il peut débouler dans nos vies quand on s'y attend le moins. Parfois, l'amour est dans un lieu... Dans les yeux de quelqu'un. Il arrive que ce quelqu'un s'en aille. Mais il arrive aussi que ce quelqu'un revienne. Et puis parfois, ce quelqu'un quitte cette terre trop vite et sans prévenir, et vous laisse seul à vous demander comment continuer à avancer. Mais on continue. L'amour peut se cacher dans ce qu'on mange, dans le vin qu'on déguste, dans un paysage qui nous coupe le souffle. La seule chose dont je suis certaine, c'est que l'amour échappe à tout contrôle, même si on essaye de toutes nos forces. C'est ce qui nous rend si vulnérables face à lui. Il ne nous reste alors qu'à baisser les armes. Et c'est justement ce qu'ont fait nos heureux époux. Alors, je connais personne en ce monde qui mérite plus ce jour que toi. Tu es... ma tante, oui. Mais aussi ma meilleure amie. Mon ange gardien tombé du ciel. Je suis tellement heureuse que tu aies retrouvé l'amour de ta vie. Je t'aime. Moi aussi. J'ai terminé. Je vous remercie. Et félicitations, tout le bonheur du monde. Laisse-moi lui parler. D'accord. On était gamin. Tu te souviens de ta collection de rouleaux de papier Kraft? Je me souviens qu'on s'en servait de longue vue, on se prenait pour des astronomes qui analysaient les étoiles. On était fascinés par l'immensité de l'espace. Savoir qu'on n'était que des fourmis qui flottaient dans le cosmos. Fourmi ou pas, cette femme devant moi est tout sauf quelqu'un d'insignifiant. C'est l'étoile la plus brillante de l'univers. Tente ta chance. Tu le mérites. Et lui aussi. Merci. Si j'avais été plus jeune, je serais resté. J'aurais dansé toute la nuit. Mais à mon âge... Cette chanson qu'ils ont passée pour la première danse, vous la connaissiez? Elle raconte l'histoire de deux jeunes étrangers poussés l'un contre l'autre par une foule endiablée. Et tout à coup, ils ressentent quelque chose de nouveau. La joie. Le bonheur de vivre. Leurs vœux se trouvent exaucés. Mais ensuite, la foule se lance dans une farandole infernale. Tout le monde danse avec son voisin. Ils forment un grand cercle. Et nos deux jeunes étrangers finissent par se perdre.
Tous les deux ne renoncent pas et se cherchent l'un l'autre. La peine fait monter leurs larmes. Se voir accorder le plus beau cadeau de la vie, pour se le voir arracher aussi vite. Ils sont perdus. Brisés. J'ai fait une énorme erreur. Il faut qu'on reparte. Il faut faire demi-tour. Je vous en prie, demi-tour! Il faut faire demi-tour! C'est impératif! Ce jeune homme est amoureux! Ne me lâche pas. On va pas faire demi-tour, c'est ça? Non. Ceci dit, c'était une très belle scène. J'y étais. J'ai volé un canot de sauvetage. C'était terrible. J'ai essayé de t'envoyer un signal, mais... Mais t'es revenu. Je pouvais pas te quitter. Je voulais pas que tu t'en ailles. Je suis fou amoureux de toi. Je suis folle amoureuse de toi aussi. Leçon numéro 2. Ce sont les gens qui comptent le plus dans la vie. Je jure que j'y suis pour rien. À l'amour. L'amour perdu retrouve son chemin. Au nouveau départ. Aux endroits où on a vécu. À tous ceux qu'on ne connaît pas encore. Et à la lumière. Qui sera toujours là pour nous guider sur le chemin de la maison. Et à une lune de miel avec 30 ans de retard. Santé. 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 Nicolas. Oui. Les clés. Oui. Promis, on prendra bien soin de la maison pendant votre absence. Non, ma chérie. Tu prendras soin de cette maison. Parce que maintenant, elle est à toi. Moira, avec toi, cette maison retrouvera sa splendeur d'antan, tu vas lui rendre son histoire. Elle est à toi. Elle a toujours été à toi. En plus, ce cottage est bien trop petit pour nous tous. On voulait tous les deux qu'elle te revienne. Merci. Je t'aime. Moi aussi. On a un avion à prendre. Je viens. La ville. Au revoir. Bon voyage. Au revoir. Bon voyage. Merci.